Alors, on va se faire un petit Resident Evil 4, comme ça je vais le continuer tranquillement. Et c'est trop fort ça. Alors j'ai avancé depuis la dernière fois. J'y avais joué pas en stream. Alors là, on est dans le complexe industriel, là, enfin un peu scientifique. On va se retrouver encore avec des mutants, je pense, dans ce coin-là. Et le but est, comme d'habitude, d'aller libérer Ashley, hein, évidemment. Qui s'est encore foutu dans une situation pas possible, qui est prisonnière. De toute façon, c'est toute l'histoire de sa vie à celle-là. Alors. D'accord, donc là voilà, on est dans le labo. Un particulier. Bon, comme d'habitude, ça me dit quelque chose parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et, ah voilà, c'est ça. Ah, lui, il est très pénible, lui. Lui, il est très très pénible et voilà, il a la clé sur lui. Alors, attends. On va essayer de pas trop faire le con pour changer. Voilà, donc. Bon là je vais crever, hein. Voilà. On va pas chercher. Vaut mieux que je crève et que je reprenne parce que voilà. Donc il faut toucher, bah, comme la dernière fois, hein, il faut toucher les petites bestioles là. Mais comme la dernière fois, je sens que ça va être galère. Je vais faire un truc. Ok, on est bon. Alors. Donc. On va bah, aller le. De toute façon, à partir du moment où on ouvre cette porte, le mec se ramène. Donc. Ouais, je suis un peu mieux préparé. Voilà. Allez, c'est bon, on a vu, on sait. Le truc, c'est que je sais pas jusqu'où il me suit en fait. Et puis ça, putain, c'est hyper sensible. Ok, voilà. Allez. Ah, allez, le dernier. Coupé. Oh putain! Ah voilà, alors là, ça veut dire qu'il en a un dans le dos. Putain. Je me disais. Oh merde! C'est pas ça que je voulais faire. Alors je vais sortir pour voir. Bon, apparemment, il me suit pas jusqu'ici. Alors le problème, c'est qu'il doit être derrière la porte. Et combien il me reste de balles là? Attends, comment on recharge déjà dans ce compte de jeu? Non? Voilà. Ok. Ouais, parce qu'à force de jouer à plusieurs jeux à la fois, ah bah, les boutons je mélange un peu. Hein. Donc. Non, je vais pas aller sauvegarder là, c'est un peu con. Il est où? Il est là. Alors là, putain, la question c'est comment je fais pour arriver dans son dos là? Hop! Allez, passe! Vite, non. Parce que le truc c'est qu'il faut que j'arrive à lui tirer dans le dos à ce débile. Ah, peut-être par ici. S'il vient me voir. Oh putain, il est déjà là. Comment il est arrivé là? Il y avait une autre porte.
la question là, c'est comment je peux lui tirer dans le dos. Il y a une tactique, mais je m'en souviens plus. Oh putain. Ouais, parce que là. Alors. Est-ce que les grenades ça marche? Parce que si les grenades ça marche, ça va être pas mal. Ouais, c'est bon. D'accord. Ouais, il devait avoir un plagas. Au moins. Dans le dos. Bon, maintenant faut que je me soigne. Attends. Ah oui, il est passé par là en fait. C'est con. Ça c'est bon ça, ça je prends ça. Ça aussi. Le reste, c'est quoi tout ça? Ok. Alors. Ça. On va le combiner avec ça. Ça, on va l'utiliser. Voilà, je suis presque au maximum de la vie, c'est pas mal. C'est pas mal. Bien, on va reprendre une arme un peu plus adéquate. Alors. Bon, voilà, on est dans le labo où ils font tout, ils ont fait toutes leurs expériences. Ça, c'est ok. Donc j'ai récupéré la carte jaune, je sais pas quoi. Donc en fait on peut passer par là, d'accord. Ah, je pense qu'on doit pouvoir utiliser ça aussi. Pour leur tirer pour. J'aurais pu utiliser ça aussi. Il faut que je fasse gaffe un peu à l'environnement parce que. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Bon là il y a ça. Ok, je prends. Il y en avait ailleurs des munitions de fusil. Je suis passé à côté. On va aller les récupérer. Ici. Bon. Il n'y a rien à activer là, c'est bizarre. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah purée, ouais, là je vais tomber. Il me semble que c'est là où on tombe sur Krauser la première fois. Et donc là, je vais pas mal crever parce que. Si. Ah non, peut-être pas. Enfin, ça ressemble en tout cas, mais c'est peut-être pas ça. Peut-être que je me trompe. Là, il y a le marchand. Et de toute façon, Krauser, ça craint parce que. Le premier combat, c'est un truc en cool time event. Purée! C'est bon là, dis donc. Les herbes jaunes, les herbes vertes. On va combiner. Et ben, il me reste à avoir une herbe rouge et puis je vais gagner de la vie, je crois. Je vais être au maxi de la vie. Alors, normalement, je pouvais m'acheter à un moment. J'avais dit que j'essaierais de m'acheter. Le gilet tactique, 60 000, j'ai pas assez. Dommage. Nicheur, blablabla, les armes, non, bah, les armes c'est bon. Qu'est-ce que je peux lui vendre à Pépère là? On trouve moins de bijoux, j'ai l'impression. Il y a l'émeraude, deux émeraudes, on va les vendre. Là je crois que. Il y a des trucs que je peux vendre parce que je pourrais pas les terminer. Je testerai plus tard. Il n'y a pas de sauvegarde par contre. Ok.
Alors. Ah, il va appeler l'hélico de secours là. Il y a un moment où il arrive cet hélico là. Mais on n'est pas encore. Donc, des munitions. Pourquoi ils m'ont fait venir jusqu'ici si c'est juste pour ça? Je sais pas trop. Ça m'intéresse. Non, c'est pas ça. Donc, cette carte, la carte que j'ai trouvée, elle sert à ouvrir un truc qui était par là en fait. C'est possible. On va sauvegarder, hein. Ah oui, ça y est. Ça y est. Ils vont me prendre la tête là. Comme il faut. On se souvient. J'en avais parlé de ce passage la dernière fois. Que le retour par ici était bien compliqué. Alors attends, parce que là, vous êtes bien gentils les filles, mais on va peut-être pas se laisser non plus martyriser. Alors, est-ce que je vais arriver à lancer ça jusqu'à là-bas? Eh non, bien sûr que non. Plafond m'a bloqué. Voilà, et ça pour l'autre là. Voilà. C'est qui me tire dessus là? Oh! C'est lui. Ah putain. Ordur. Voilà. Ouais, mais je crois que c'est pas tout. Je crois que je vais avoir quelques petits problèmes là. Sous la forme de gros balèzes, non? Est-ce qu'on l'a fait sortir? Ah, on est obligé. Elle y est plus, à tous les coups. Non, si, elle y est encore, je crois. Qu'elle nous fasse pas ce coup-là, quand même, hein, parce que alors là... Ah, quand même! Fait, elle a un peu une sale gueule, quand même, hein.
de sauvegarder, c'est pas grave. Ok. Munitions, je commence à avoir pas mal de munitions de pompe. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Bien sûr. Ça, c'est Ada, je crois encore. Ouais, c'est Ada. Alors, qu'est-ce qu'elle nous envoie comme petit mot? Il est où le truc? Il est là. Il y a du monde derrière la porte, par contre. J'entends des... Vous pouvez sortir en passant par le conduit à ordures. Super. Merci, Ada. On a tant d'électricité. Comment on lui parle déjà, cette débile? Merde, j'ai oublié. Comment on lui donne des ordres alors? Ah oui. D'accord. Oh purée, attends. Là, on va passer à la grosse artillerie parce que c'est un peu nombreux à mon goût. Voilà. Il va se détacher ou pas. Ainsi. Voilà. Voilà. Follow me. Allez, suis-moi, petit Ashley. Des balles de magnum, ça c'est toujours bon à prendre. Il n'y a plus rien à récupérer ici. J'en suis au niveau des balles là. Je reprends mon flingue quand même. Ah oui, oh là là, putain. Je me rappelle d'un, voilà, d'un truc là. Je pense qu'on va être, bien assiégé dans cette pièce là. Bon là, ils sont tous très pénibles, donc je vais reprendre le pompe. Voilà, lui, il fait ça. D'accord. Putain, j'en ai un dans le dos. Bordel. Ah, attends. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, toi là-bas. Jeune ami. Ouais, le flingue. On va utiliser le flingue. Merde. J'ai du mal à le voir en fait. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un bug ça ou quoi? Ah non, il était aveuglé par le... D'accord. Donc... Alors attends, parce que là il y a un coup foireux, si je me souviens bien. Je me souviens plus par où ils arrivent, mais je crois qu'on se fait assiéger ici. Voilà, reste là. Donc là. Voilà, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Attends. Toi. Je reviens protéger un peu Ashley parce que... Bon, c'est pas que je suis un, mais quand même, voilà. Ok. Et ok. Donc, un peu de vie. Voilà.
Ce qui veut dire que là, ça commence un peu à me libérer de la place, tout ça. Ok. Et j'ai 3 balles de magnum, c'est pas beaucoup. Merde. Ok. Allez, hop. On va prendre ça. Donc là, il faut que. Qu'on aille au vide ordure. Allez, elle me suit ou pas? Elle est où? Allez. Looks like this is it. Oh, it stinks. Sure does. No way, Leon. Way. Oh là 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 là. Là aussi, ça craint. You'd be fine if you landed on your butt. You. What is this? Come on, let's go. Ouais. Ouais. On va t'emmerder là. Pas facile ce passage. Voilà. Bouge. Bouge. Est-ce que j'essaie de faire ça? Ouais, ça lui aussi, mais pas plus que ça. Là, on est coincé, c'est ça qui craint, c'est qu'on est un petit peu dans un espace clos. Alors, est-ce qu'avec ça, je vais voir quelque chose? Là, il en a dans le dos, lui, c'est sûr. Oh putain, ça leur a rien fait, quoi. Ouais, on le voit, il y en a un dans le dos. Ah c'est bon. Ah faut pas tous les avoir en fait, visiblement. Ça c'est la bonne nouvelle de la journée par contre. Ça c'est plutôt... Et j'aurais pu refermer, mais je crois qu'il passe à travers si on referme, il me semble. Il me semble qu'il passe à travers, je suis pas sûr à 100% mais ça ne fait que le retarder un peu. Là on aurait pu la cacher là. Bon il y avait des tactiques quand même. Je l'ai joué à la bourrin comme d'hab. Mais il y avait moyen de moyenner. On fait voir, je vais quand même actionner ça. Voilà. Donc là, c'est quoi l'histoire? D'accord. Il y en a d'autres. Malheureusement, il y en a d'autres. Voilà. Alors. Alors, essayer d'en buter au moins. Putain. Hein. Heureusement, il a un petit mouvement de recul quand on arrive à toucher un des parasites. Putain. Ce qui fait gagner un peu de temps. Voilà. Par contre, les autres dans le dos, je vais pas les avoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. On va essayer de le niquer. Viens Ashley, suis-moi ma petite. Il est où là? Il est là, donc on va le laisser venir par là. On va essayer de le niquer avec le baril. Loupé. Allez, on va refaire un tour. Putain. Une grenade. Est-ce que ça aurait de l'effet? On va tenter, mais je crois pas trop, mais
Il est où là? Il est dans mon dos. Non, il est... alors voilà par là. J'espère qu'il n'y en a pas trop trop quand même ici. Oh putain. Bon, faut le laisser venir un peu. Allez. Voilà. Non, ça ne fait que le ralentir. En fait, choper dans le dos, c'est un peu mission impossible suivant le la configuration des lieux. Ok. D'accord, alors là là j'ai utilisé quand même pas mal de grenades, c'est ça le problème. Nous avons un léger problème de grenades. Ouais. Bon, on verra. Ce passage m'avait fait plus suer que ça les fois précédentes. Mais c'est pas encore fini, donc... oui, il faut pousser comme ça. Je crois qu'on va de nouveau être séparés là. Dans pas longtemps. Oh, ils sont vraiment pas si balèzes que ça, non, les gros là. Ils sont impressionnants physiquement, mais. Encore du monde ou pas. Alors où est-ce qu'on va être là? Ah non, et attends, c'est quoi? Ça me rappelle quelque chose ici, ça me rappelle là où il y avait les trolls. Putain, j'espère que je me retape pas des gros trolls là, parce que ça va me saouler ça. Il nous donne du pompe à tir l'arigot. Par contre, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de munitions pour mon flingue. Est-ce qu'on repasse au même endroit? Oh non, putain, on va se retaper encore un. C'est quoi qu'il faut prendre? C'est bon. Il va y avoir des trucs chelous là. Et je sais plus ce que c'est. Attends. J'ai un doute. Si. Non, c'est pas un endroit où je suis déjà passé là. Ouais, donc là. Voilà, va les casse-pompons. Mais à la limite, je préfère ça qu'un troll. Il y en a de l'autre côté. Oh là 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 là, mais comment ils sont? Non, non! Putain, le pompe, quand même, c'est un peu l'arme fatale, hein, là. Voilà. Alors, tu tires? J'en ai encore dans le dos. Ça mange. Et toi aussi. Bon, après, il faut faire gaffe quand même parce que j'ai pas des munitions de pompe infinies non plus. Pousse-toi. D'accord, lui il a décidé de rester là.
Attends. Ah merde, bien sûr, il y en avait un là. D'où il sort ce con? C'est con d'ailleurs. D'où il sort ces débiles? D'ici, il y avait un passage. J'avais pas vu. Ok, j'ai rien dit. Ah, faudrait aussi que je fasse gonfler la vie de Ashley à un moment. Je vais d'abord le faire avec la mienne, hein, si ça vous dérange pas. Allez, crève! Voilà. J'ai plus de balles. J'aimerais bien des balles. Non, il va pas m'en donner, tant pis. Bon, alors, ça c'est fait. Ils sont tous morts. Ils m'ont pas lâché beaucoup de bonus, hein, quand même. Alors, qui doit l'actionner? Léon. Pourtant, le boulet, ça devrait être Ashley hein, qui l'actionne. Parce qu'il s'y connaît. Tiens, allez, on va voir. Eh bé! Oh, 2 heures pour baisser une manette. Le temps qu'elle met pour baisser une manette. Ah, c'est quelque chose. Hein. Ça y est? Allez, viens. Oh. Non, les mecs, ils arrêtent pas, quoi. Non, non. Allez, lâchez-moi quelques bonus, là. Les amis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, combiné avec ça. Je vais attendre un peu, mais normalement, la prochaine fois que je prends ça, j'ai ma vie au maxi. Ça, c'est bon, ça. Putain. Non, allez, on se tire. On va arrêter de faire les cons. Là. On va rester là. Déjà c'est pénible. Oh là là. Ah, recule, ma cocotte. Alors ça c'est des normaux, donc j'espère qu'ils en ont pas dans le dos. Putain. Voilà. On va encore se les taper pendant quelques temps et ensuite on va être tranquille. Normalement. Après il n'y en a plus de ces merdes là. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous suggérer qu'on va tomber sur des chiens? C'est possible. Très bon, petite grenade, bien ça. Pousse-toi. Non, il n'y a plus rien d'autre. Là, il n'y a rien. C'est tout ce qu'il y a ici. Bon. Pour tout dire, je pensais qu'on allait tomber sur une sauvegarde. C'est pas le cas. Ok, voiture pour chien. Bon, ok, allez. Quoi?
D'accord, on peut ouvrir, on peut fermer. Il y en a un là-bas. Putain, et non, et là j'étais sur le truc, faut pas déconner. Hein. Si la lunette infrarouge n'existait pas, faudrait l'inventer quand même. Hein. Moi, je crois qu'il y avait une porte là, je sais pas pourquoi. Ok, donc ça fonctionne pas. Ils vont me faire faire tout un détour là de labyrinthe. Alors, ça veut dire que y a que Ashley qui va pouvoir passer, ça va être ça l'histoire. Oh bah dis donc, encore une fois, tu as été efficace. Oh mais je commence à avoir des herbes, en veux-tu, en voilà. Ok, ça c'est bien ça. Pas du tout ce que je voulais faire, évidemment. Évidemment. Une sauvegarde, il y en a des fois ou pas? Donc là, il va falloir que je me casse par là, a priori. Attends, je vais aller voir ce qu'il y a là. Au cas où je reprends ça. Oui. Oui. Très bien ça. Combiné avec ça, c'est bon ça. Alors, bah, le marchand, le truc c'est que j'ai pas grand chose à lui vendre en fait au mec là. Qu'est-ce que je vais trouver d'intéressant? Bah non, rien de spécial. Alors j'ai toujours ces trucs là. Que j'arrive pas à terminer, il va bien falloir que je finisse par lui vendre un moment. Ah mais attends, j'ai assez, ça y est, pour acheter le gilet tactique. Yes. Ça c'est bon. Et optimiser. Le pompe, je m'en sers quand même pas mal. Allez. On va augmenter la puissance de feu du pont. Ah, peut-être du fusil, j'aurais pu. C'est pas grave. Écrasé, oui. Donc là, ça va être un de chaque côté. Donc. Oh, du premier coup. Un pack. Alors, on est où là?
Bon, déjà, il me file plein d'armes. C'est rarement bon signe. Oh là là, il y a un spray de premier secours. C'est pas bon signe, ça. Du tout. Attends, qu'est-ce que je comprends pas là? Ah là 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 là, c'est le coup du camion. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Je vais le refaire 100 fois, ça, je pense. Salut, Graphic Rex. Toujours, toujours matinal. Ça, ça va être pénible. Je vais prendre le pompe. Où ça, tiens? J'ai plein de balles. Oh, ça va être chiant. Ça va être chiant parce que déjà, il lui laisse le volant. Derrière nous. Bon, si c'est derrière, ça va. C'est après qu'il faut pas que... Ouais, d'accord. Les mecs, ils montent comme des sauterelles. Bon, attends. Là, je pense que... Un petit coup de pompe, on réglera mon problème. Voilà. Allez, montez, montez, montez. Voilà. Voilà. Il y a un truc à la fin. Il y a un truc... Voilà. Ça c'est bon, putain, je... mais il y a un truc pénible à un moment où je vais perdre, c'est quasiment sûr. Je sais plus ce que c'est, ça le problème, je me rappelle plus le truc qui va me tomber sur le rable. Voilà, c'est ça, lui il me fonce dessus. Alors attends, peut-être à coup de grenade je vais pouvoir l'avoir. Ça a pas suffi. Ok, ça va pas, c'est pas fini, je crois pas que ça soit fini, malheureusement. C'est quoi le problème maintenant? Ah si, les camions, c'est le camion, c'est peut-être fini. J'ai ça là, moi. C'est pas bon. On y va? On y va. Alors, je peux monter par là. Je vais monter par là. On va y aller par là. Oh, putain. Il est bien ce flingue maintenant. D'accord. Tu me donnes un bonus ou pas? Non. Ah oui, oui, oui. Où ça? Où ça? Où? Putain, c'est jamais fini, hein. Alors, attends. Non, non. Voilà. Non, c'est pas fini, quoi.
Va encore y avoir un truc avec le camion là. Je sens. Ah là 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 là. Merde. Ah, j'en ai un dans le dos. Ouais, ben, mais pas qu'un. Allez, crever. Oh putain. Ouais, on peut pas être partout à la fois aussi, hein. Tuer toi. Tuer là. Voilà. Ben là, c'est bon. Oh, dis donc, je l'ai passé du premier coup. Je pensais pas. Je pensais pas que j'y arriverais. Par contre, il m'a fait dépenser beaucoup de munitions. Ça, c'était prévisible. Alors. Ah, je suis toujours pas au maxi, dis donc. Avec Léon. On arrive où là? Non, 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 je vois rien du tout. Et il a rien à me vendre. Comme ça. On va sauvegarder. Lui, ils vont pas de munitions, ça c'est un peu chiant. Allez, on va faire une sauvegarde ici. Le flingue, celui que j'ai là, le flingue. Comment il s'appelle? Le Red 9, ouais. Le Red 9, il est augmenté à fond. J'aime bien ce flingue-là. Donc ça, c'est fait, c'est sauvegardé. Il n'y a plus rien à piquer, là. Et ça, c'est quoi? Ah, alors, pierre verte du jugement, elle va où, celle-là? Clé trésor... Oh, mais ça y est, il est fil, lui, alors. On peut voir. Ah non, il en manque une. Il manque la bleue. Qu'est-ce qu'il est long, ce jeu. Ah. Elle va se refaire enlever, encore une fois. Bien sûr. Ah oui, donc là, non, il y a tout le passage où en fait on s'enlève le virus là, ou je sais pas quoi, le parasite. C'est ça. Ça doit être là. Je pense que ça doit pas être très loin. Ouais, c'est ça, ouais, il lui faut un truc, on va la retrouver. Comme d'habitude. De toute façon, elle passe son temps à disparaître et apparaître, disparaître et apparaître. Allez. Donc là, normalement, maintenant qu'on se retrouve tout seul, c'est là qu'on devrait tomber sur Krauser, la première rencontre. Dans pas longtemps.
Donc, ok, donc elle est là. Pep, pep, pep. Il y a un truc qui brille là. Ça m'intéresse quand ça brille. Alors, ça voilà, ils expliquent tout le plan qu'ils avaient fait avec les plagas et tout ça. Les pauvres villageois qui ont servi de cobayes. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Voilà. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah. We'll see. Alors, ouais, ça va être là. Ça va être, c'est donc dans un genre de hangar qu'on le rencontre. On va voir. On peut pas être peinard 2 minutes. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est là derrière que ça se passe? Oui. Ouh, t'es moche toi. L'avantage c'est que même s'il esquive avec le pompe, on arrive quand même à le choper. Enfin, 2 coups de pompe et il est pas mort quand même, hein. Bon allez. Trêve de plaisanterie. Non, non, non. Oh là là. Évidemment. Attends, je vais me débarrasser de toi rapido parce que pas que ça va faire. Voilà. J'ai quand même moins de munitions qu'à un certain moment. Ok. Bon, il y a du monde là par contre. Ah merde, j'avais pas vu lui. Pas bon ça. Non, ah, non, non, non. Hop. Toi, tu me saoules. Vous me saoulez tous là. Ok. Tiens. Voilà, fallait pas m'énerver. Ils sont classe ces personnages-là. Ok, d'accord. Pourquoi je suis venu ici, moi? Pour récupérer un trésor. C'est tout? A priori, c'est tout. D'accord. Et là, donc, il y a 2 portes. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que... Je me dis que je vais aller voir là d'abord.
Salut Allegrine. Je suis après ma petite balade sur Fallout 4 hier. Tu vois, je reviens aux fondamentaux. Non, avec le recul, il est pas mal. Hein. Fallout. Que j'ai pas capturé d'ailleurs. Donc on le verra pas sur YouTube. Mais voilà, c'est un jeu où il faut prendre son temps. J'ai pas pris mon temps. Ouais, ça y est, là on va tomber sur Krauser, c'est quasiment sûr. Et avec les Quick Time Events de la mort qui vont bien me gonfler, parce que c'est pas tellement ma tasse de thé. On va voir. On va essayer de voir ça. Ouais, c'est là. Bon, de toute façon. Voilà. Alors, c'est encore plus dur les Quick Time Event quand on regarde le chat. Donc il faut que je me concentre là. Déjà que je suis pas doué moi pour ça. Donc c'est X et A ou alors c'est souvent les gadgets. Il arrête pas en plus ce con d'en faire toutes les deux minutes. Voilà, c'est bon. Told you, you're the one who kidnapped Ashley. You judge on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? Voilà. Alors, ça peut durer longtemps. T'as bossé de 7h à 9h. Tu bosses 2h. Enfin, t'as réponse que t'appelles bosser aussi. Hein. Hein, 22h40, oui, ça fait tard aussi. Pour bosser. Bon, j'espère que c'est toujours les mêmes et que je vais pouvoir m'en rappeler. Bon, XA, on est bon, c'est toujours celui-là. Après, c'était aussi XA. Et après, c'était les gâchettes, normalement. Sauf s'ils changent, pour me faire chier. Ça, je me la suis tapé un certain nombre de fois, je peux vous dire, cette cinématique. Bon, là on est bon. Ah, je crois qu'à un moment faut appuyer aussi. Putain, j'espère qu'ils vont pas me refaire un coup là. Je crois qu'il faut appuyer sur un bouton très vite. C'est pas du tout abusé comme mise en scène. On dirait du Kojima. Ah non, c'est bon, ça a marché là. Ouf, parce que j'avais pas envie encore de... Well,
Poufias en robe rouge. Oh, c'est pas cool ça. Il est quand même très agile. Bon, ça c'est fait. Oh, les Weekend d'Astreinte. Je connais. Je connais ça. Là, ça va. Ce week-end, c'est bon. I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Ah ouais, non, alors en fait, c'est a senior moment, perhaps. Donc là, il va y avoir un gros monstre. Oui, ça c'est bon, je vois ce que c'est. Je pensais que c'était un des deux monstres du nain, mais pas du tout, c'est encore pire, c'est encore une autre bestiole qui va nous tomber sur l'orable. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Je peux griser là. C'est possible. Alors. Bon. Eh ben, on va y aller. Ah là là, encore des quick time events ici. Tout de suite. Je crois. Je crois. Ou alors c'est avec. Je sais pas si c'est avec lui ou si c'est avec Eva qui a une scène comme ça avec des lasers et. Non, ça doit être avec Eva. Je crois que lui, il n'y a pas l'histoire de. On va voir. Je sais plus. Si c'est pas pénible, ça aussi. Ah ouais, si, il y en a, et je crois même qu'il y en a. Voilà, il y en a encore. Là, il est fort, hein, quand même. Là, il est balèze, hein. Oui, sauf que. En attendant le déverrouillage, c'est ça. Voilà. Ah, c'est bizarre, genre on faisait tout un truc de ce passage, il me semblait que c'était En fait, c'est toujours le même truc. Oh, c'est étrange. Alors là, c'est son trône à l'autre débile. Pourquoi au bout d'un couloir avec des lasers, on sait pas. Prendre, qu'est-ce qu'il veut que je prenne? Ça, une émeraude, ça c'est bon ça. Donc on s'assoit là-dessus, voilà. À la James Bond. Ah d'accord, non, je pensais qu'il y avait un. Ça m'intéresse. Ok. Mais attends, pépère, il y a une porte là, il y a quoi? C'est quoi l'histoire? C'est derrière? Ah oui. Alors, c'est là où il y a une histoire de monde charge, et puis il y a une bestiole qui nous poursuit dans le monde charge. Quoi ça? Des gouttes d'eau. Ah. Ouais, ça va être marrant là. De toute façon, quand il y a de la sauvegarde en règle générale. Ok.
Il doit plus avoir grand chose à me vendre, lui, je pense. Hein. Donc, tac, les plagas. Les plagas sont des organismes sociables, comme les abeilles. D'accord. Moi, ouais, c'est des saloperies, quoi. C'est des saloperies. Alors, on va faire un petit mélange. Ok. Bah de la vie, ça va, j'en ai. C'est pas trop le souci là. Par contre, les munitions, c'est toujours un peu ric-rac, hein. Y a pas de quoi crâner. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me propose lui ? Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you saying ? On va lui vendre des trucs. Ouais, j'ai des trucs à lui vendre quand même. J'ai deux émeraudes. Is that all, stranger ? J'ai une coiffure élégante. Attends. C'est ça. Et là j'ai ça, mais je sens que j'ai jamais trouvé les pierres et je vais les garder jusqu'au bout du jeu comme d'habitude. Au striker, j'utilise pas beaucoup hein, le Magnum. Bon, allez, ça ira. Allez, on sauvegarde et on va aller se friter le... Enfin, on va essayer. Je crois qu'il y a pas mal des questions de Quick Time Event aussi dans ce passage-là. Puisqu'en fait, il apparaît... On peut pas le tuer, je crois pas qu'on puisse le tuer comme ça, avec un flingue. C'est une sorte de jeu de cache-cache un petit peu avec lui. Je sais même plus la gueule qu'il a, pour tout dire. Alors... Non. Voilà. Voilà. Alors, hop. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire des containers là. Oh, c'est chiant ça. Donc il va falloir ouvrir chaque cellule là, chaque différente partie de cette espèce de grand container là et tout ça en étant poursuivi par une grosse bébête. Et voilà. Et ça va être dur. Le coyote me conseille le lance-roquette. Ah oui, donc c'est lui le gros machin vilain. Bah le lance-roquette, je sais pas parce que... En fait, je me souviens pas si on le... Bon, là en plus, je... Je me souviens pas si on combat vraiment en fait ce truc. Je sais qu'il disparaît. Il apparaît, il disparaît selon son bon vouloir. Voilà. Alors là, après toute la question, c'est trouver le chemin pour ouvrir les portes là. Ça doit être là-bas au fond. Examiner. Impossible d'ouvrir. Il doit y avoir un autre moyen.
Bon, j'essaie de... Voilà. Ça commence. Là, je sais que je vais criser, hein, de toute façon. Je rappelle pour ceux qui débarqueraient pour la première fois que c'est un peu le run de la loose, hein. Parce que je suis pas bon, moi. Donc, ne venez pas ici pour apprendre à jouer, parce que... Merde, il y a un bouton appuyé quelque part, et je sais plus où c'est. J'ai... La Cybélie là derrière, ça ok, mais alors... Eh ben alors... Attends, quel est le problème, mon jeune ami, là? D'accord. Bon, là, c'est juste du repérage, hein, parce que... À la limite, je préfère crever une fois. Attends. Attends, là, il y a un truc qui m'échappe, là. Normalement, je dois atteindre ce truc, mais il est fermé. Ok. Bon. Donc, que me dit le plan, là? Attends, c'est une blague. Merde, comment on fait déjà? C'est sûrement pour ça que j'avais galéré les premières fois. C'est parce que je me rappelle jamais comment on doit faire ici. Je cherche une porte, là, pour tout vous dire. Je fais pas exprès de me frotter contre les murs comme un dégueulasse. Putain, mais attends, c'est quoi l'histoire là? Quelqu'un s'en souvient? Les boutons. Ah, en tirant dessus, c'est possible, merci. Putain. Ah ouais, bien vu. Putain, alors là, je peux te dire, j'aurais galéré un petit moment avant de m'en souvenir. Non, là, je l'avais fait. Là, t'es une belle enflure. Hein. Là, t'es une belle enflure. Il me poursuit. On va lui foutre un coup de pompe dans les dents, histoire d'avoir la paix. Ah non. Ah si. Allez, va-t'en. Va-t'en. Va. Putain, casse-toi. Au bout d'un moment, il doit se barrer, normalement. Voilà. En plus, c'est bon, j'ai réussi à l'aligner à chaque fois. Ah ouais, alors le coup des interrupteurs sur lesquels il faut tirer, j'avais totalement zappé. Hein. La porte devrait s'ouvrir désormais, il faut que je sorte avant que la palette tombe, ouais c'est ça. L'autre il va vouloir m'empêcher de passer, je pense que je vais reprendre de la vie là. Voilà. Ouais, mais si me fout ça, pile quand je... Ok. Ok. Donc. Ah voilà, et merci pour le coup du qu'il fallait tirer sur les lampes vertes, hein, parce que là j'avais complètement zappé moi. Cette histoire, qu'est-ce que... Ah dommage par contre. J'ai dépensé. Putain, ça craint. Je suis en train de dépenser mes munitions comme un gland. Il est tombé où? Là, j'ai esquivé. Hein. Déconnez pas, les gars. Alors, attends. Putain. Ok. Ça va être ça tout du long. Celui-là, c'est bon. Il est pété. Il est où l'autre? Putain, mais lâche-moi la grappe, laisse-moi travailler. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je te fais là? Putain, j'ai plus beaucoup de munitions, c'est ça qui craint. Je vais essayer de lui balancer ça dans la gueule, mais... Ah d'accord. Juste au-dessus. Ah, je vous cache pas que c'est mal barré. Maintenant qu'il m'aura bien fait chier, il est où le truc? Il est là. Allez. Allez. Là, il y avait des munitions, je les récupère, c'est toujours bon. Hop, on va aller ouvrir ce truc. Et on va se casser. De là, vite.
C'est où la sortie là? Putain. Sans orientation de merde. Donc là. Allez, plus qu'un. Plus qu'un, mais je suis pas en forme. Hein. J'hésite à reprendre de la vie parce que. Ce qui me fait chier, c'est d'avoir dépensé autant de munitions en fait. Ouais. Peut-être qu'il faut que. Bon, on va voir. Donc là, c'est bon. Il faut que je trouve les interrupteurs verts. Voilà, donc là il est pas content. Allez, dégage! Fous-moi la paix. Bon, attends, comment c'est branlé ici? Hop. Faut que je vois un peu comment c'est fichu ce machin. Donc, d'accord. Donc là c'est fermé. Ok, alors on va essayer par. Putain! Et à part me couper la route, espèce de con! Dégage! Putain. Il est bien stressant ce passage quand même. Ouais, c'est ça. Je peux pas passer là. Là, il est pas là le truc. Alors, il est là. Là. Il est où ce putain de truc vert là? Bah non, je peux passer là alors. Ah non, merde. Il faut que j'active le. Le truc, il est là. Alors, je peux pas tirer à travers. C'est une blague. On peut pas tirer à travers la grille. Ah si. Si si si. Heureusement qu'on peut. Bon, l'autre, ça fait longtemps qu'il est pas venu me faire chier. Ça va pas tarder, je pense. Alors, rappelle-toi ce que t'as fait là. Tac. Chut, chut, chut. Ce serait ça. Ce serait à droite. C'est ça. Allez, c'est bon, ça va s'ouvrir. Donc là, il va me bloquer la route, mais je vais essayer de passer. Alors, peut-être qu'en effet, à la fin, je suis d'accord. Maintenant qu'il me semble que ça me revient. Il faut peut-être lui foutre un coup de. Lui foutre un petit coup de. Comment ça s'appelle? De lance-missile dans la gueule, c'est pas impossible. Non? Non, je pensais, mais non. Ah, c'est bon, je récupère des trucs là. Qu'est-ce que vous me dites? Tirer ou coup de couteau sur les boutons verts, ouais, c'était ça. Mais enfin bon, là c'est typiquement le genre de passage. Alors que putain, je c'est pas comme si j'avais pas déjà joué à ce jeu. Ah, il est pas mort, il est pas mort. Le voilà. Donc c'est là qu'il doit y avoir un lance-grenade ou un lance-missile quelque part. Alors attends. Ouais, c'est pas comme si j'avais pas joué, mais je ne me rappelais plus du tout cette histoire de. Tu es où là? Allez, viens. Voilà. Putain, il va vite quand même, hein? Pour un gros con. Merde. Putain. Attends, on va essayer de. Là, le problème, c'est qu'il était derrière moi et je. Oh lui! Oh oh!
Il était derrière moi, je ne voyais pas ce que je faisais, donc forcément ça me posait un petit problème. On va combiner ça avec ça. On va l'utiliser. Ok, donc là j'ai des balles de magnum. C'est pas mal. Ok. Allez, ouvre-toi. Putain ! Pénible. Donc ça, ça va se rouvrir quand j'aurai réussi à buter celui-là. Alors, il y avait un baril là, donc je vais essayer d'utiliser le baril pour le niquer. Deuxième baril. Il est où là? Et voilà. Ouais, donc voilà pourquoi tu me disais d'avoir le lance-missile. C'est vrai que ça serait allé plus vite. Là, je confirme. Ah, mais je peux l'enfermer dedans aussi, non? Je peux pas essayer de l'enfermer. Non, c'est chaud. Ouais, c'est tendu. Il est où, là? Merde, il est là. Espèce de con. Parce qu'après, imaginons qu'il arrive là. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est faire ça. Est-ce qu'il est capable d'ouvrir une porte, ce débile? Ouais, il est capable. D'accord, j'ai rien dit. Bon, bah, faut que je le combatte, quoi. Ça m'arrange pas, des masses. Bon, on va prendre ça. Ce que je veux dire, c'est un moment où jamais utiliser le magnum, c'est bien là. Voilà. Maintenant, bah, le pompe. Je crois qu'on est tous d'accord. Sauf que là, il faut que je me retrouve en position 2. On va essayer de le refaire venir par là. Ça y est. Ou pas. Ou pas. Ça y est ou pas. Non, ça y est pas. Merde. Il m'attaque avec sa sale tête de con là. Alors, je peux aussi essayer de lui balancer une petite grenade dans la gueule. Il est où ce débile? Oh ouais, d'accord. Ça va être les coups de pute maintenant, là. Tiens, prends ça. Ah, je l'avais totalement oublié ce combat. C'est bizarre, hein. Autant je me souvenais du passage pénible là dans les différentes cages, autant j'avais totalement oublié le combat avec lui. Voilà, donc on va reprendre ça. Il y a sûrement une autre méthode, mais... Là, c'est vrai que j'aurais eu le lance-patate, ça aurait été un peu plus... D'accord. Je me retrouvais totalement à poil à force parce que j'ai vraiment plus beaucoup d'armes. De munitions. Ah si, ça y est. Allez, ça y est là. Ouais, ça y est. D'accord. Ouais, il est vraiment pas très difficile. Un peu chiant, un peu effrayant, mais... Ok, donc j'avais plus de bonus derrière moi, ça c'est sûr. Ah, j'ai utilisé plein de trucs là, c'est ça qui m'emmerde un petit peu. J'ai plus de balles de magnum, j'ai... Ouais. Plus de grenades. Ok. Allez, on y va.
Ok. Ah, le con. Le con, le con. On va bien niquer là. Alors, je pense que ça doit être hors service, c'est ça? Ah non. Ah non, et c'était quoi alors les coups de l'échelle là? Pourquoi il y avait une échelle là-bas? Attends, parce que là, je sais plus où je vais. Un peu con quand même. Oui, je suis pas du bon côté. J'ai fait demi-tour là. J'ai fait demi-tour. Ben non, faut que je reparte alors. Allez, on repart. Allez, Green qui veut me faire monter mon audimat. Comme ça, j'ai 3 spectateurs au lieu de 2. Ou 2 au lieu de 1. Non, mais je m'en fous là. C'est surtout, je fais ça en streamant parce que c'est plus rigolo. Mais c'est pour enregistrer, c'est pour capturer surtout. C'est pas comme si tu vois j'avais de l'audimat, donc de la pub, on s'en fout un peu. Alors ok. Ok, d'accord. Donc là. Bon, normalement tout ça devrait me permettre quand même de me refaire un peu niveau munitions, parce que là il y a pas mal de mecs. Donc, souvent ça permet de se refaire des munitions. Là, il va falloir que je descende. Pas trop avoir le choix. Et il y avait un mec en bas et j'ai pas vu. Quel con. C'est en lui tombant dessus que je l'ai vu. Allez, donnez-moi des balles de pistolet. Voilà, ça c'est bon. Les sous, c'est toujours bon à prendre. Les balles de pistolet. Ça c'est cool. Et ça, ça va aussi. Alors. Ok. Ah, ils sont en train de faire des fouilles archéologiques là ou je ne sais quoi. Je sais plus s'il faut descendre ou pas là, on va voir. Avant de descendre, on va aller prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ok, donc c'est ça. Examiner. Ouais, donc il va falloir passer par les. Par les profondeurs, donc on va y aller. Je sais pas où je vais m'arrêter. Pour l'instant, je continue un petit peu. Un baril là, deux barils. Le prochain gros boss, je crois que c'est Krauser, qui est assez chiant moi, dans mon souvenir, mais c'est pas tout de suite. Hein. Là, on va retrouver le marchand. Blablabli, blablablou, blablabla. Non, ça c'est pour s'entraîner au flingue, je vais pas le faire. Alors, est-ce qu'il a des nouveaux... Non, il a pas des nouveaux trucs. Est-ce que moi j'ai des trucs à te vendre? Toujours pareil, quoi.
pour l'instant je sais pas trop optimiser. Le striker. Le TMP, j'ai pas beaucoup. Parce que finalement, j'utilise pas mal. Donc pour l'augmenter un peu. On va augmenter. Is that all? Thank you. Is that all? Voilà. Allez, ça ira bien pour cette fois. Allez, jusqu'à 10h30. Puis après j'arrête. Oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est l'espèce de vieille cité. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, comme style. En tout cas, ça c'est un truc antique. Voilà. Et à la fin de ça, qui est assez long d'ailleurs, si je me souviens bien, il y a pas mal de trucs à faire, on combat Krauser. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need three insignias voilà. To open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Ouais. Sounds like you thought this one out pretty well. Donc il va falloir essayer de résoudre les différentes petites énigmes là, en évitant de se faire défoncer par Krauser. Alors c'est vrai que là, le souci c'est que je me souviens pas trop le chemin. Mais bon, la première fois qu'on joue, on le connaît pas, hein, donc faut essayer. Normalement dans les maisons, on est à peu près tranquille. Et de toute façon, lui, il devient vraiment dangereux. Voilà, c'est ça. On se verra que quand le temps imparti sera écoulé. Il devient vraiment dangereux qu'à la fin, quoi, quand on a tout trouvé. Si ma mémoire est bonne. Ah bah non, ma mémoire était pas bonne. Je croyais que... Putain, je savais... me rappelais pas qu'il nous faisait autant chier tout du long, en fait. Ça, c'est... Comme quoi, on oublie complètement. Ça, c'est fou, ça. Allez. Voilà. En plus, ça craint, parce que là... Bon, je vais me laisser tuer, parce que là, j'ai fait le con. Mais là, on va utiliser des munitions pour se défendre, et... ça sert à rien, en fait. Puisque, de toute façon, il faut se le tarter en boss final. Donc, il doit y avoir sûrement une tactique que je ne connais pas pour... Pour éviter de gâcher des munitions pour rien en fait, parce que. Parce que là, c'est vrai que c'est assez chiant quand même. Dans le sens où on sait que tout ça est un peu vain, jusqu'à une certaine partie de. Jusqu'à ce qu'on ait avancé. Voilà, tu vas te taire maintenant. Ah non, tu veux pas te taire. Je suis bien sûr que oui. Alors, après. C'est une blague? Est-ce que c'est une blague?
Bon, allez, tue-moi parce que ça m'énerve. Voilà, tue-moi. On va essayer de faire ça proprement. Alors, c'est vraiment bizarre parce que autant je me rappelais du monstre dans les containers et qui m'avait bien fait rager, autant je me rappelais pas que cette partie-là m'avait aussi, autant gonflé dès le départ. Parce que là, ça y est, ça commence à monter. Non, c'est bon. Ça, c'est le blabla, ça va 2 minutes. Allez, hop, on se grouille, on va monter là-dedans. Donc là, oui, en fait, c'est ça. Il faut ouvrir. Tac. Et ensuite, jouer à cache-cache avec lui. Ben, on est quand même un peu obligé d'utiliser des munitions, alors, finalement. On n'a pas trop le choix. Non, mais attends, sans déconner. L'autre, attends, il est rapide comme un singe. Tiens, prends ça dans les dents, connard. Voilà. Et s'il faut se taper des quick time machin tout du long, ça va être vite. Allez. On va jouer à ça. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Non, mais là. Respiration. Ah mais voilà, c'est ça. En plus il bouge ce con. Descends. Bon, quand ça veut, ça souffle cette merde là. Alors est-ce qu'il y a... Alors, peut-être que le principe c'est de le foutre KO pour qu'il se barre. C'est peut-être ça. D'accord, ok, à bout portant il le loupe, c'est cool. Non mais, ah ça y est. Je sais pas si on a un moment de répit. On va prendre ça. Ça y est? T'as fini de défourailler comme un con? Voilà, le chemin c'est quoi? Là visiblement... Ah ouais d'accord. En fait j'ai loupé la tour je crois. Faut aller par là. Oh putain. L'autre il nous défonce la gueule. D'accord, donc là. Fais pas chier, fais pas chier. C'est quand même hallucinant parce que... J'avais pas le souvenir qu'il nous collait au basque comme ça tout le temps. Voyez où. Bien sûr. Alors on va passer là. Voilà. Oh là là. Et alors ça sert à quoi de venir là, quelqu'un me dit? À rien du tout en fait. Et je vais crever comme une vieille merde. Ah, je me rappelais pas de la pénibilité intense de ce passage quand même. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je m'équipe de ça. Une pompe, c'est toujours bien.
Fais pas chier. Calme-toi un peu. Alors, où est-ce qu'on va là? Putain. Dark Souls 3, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est une autre forme de difficulté. Alors, j'ai obtenu morceau de l'animal sacré. Il m'en manque un morceau. Et un troisième morceau qu'il a sur lui. Allez. Ah, ok, donc là il faut que je trouve le système pour sortir d'ici. Pour tout dire, je vais être honnête, je me rappelle pas. Bouge. Bon, si on se plante pas dans les quick time events, ça va, on perd pas de vie. Mais le problème, c'est que j'ai tendance à me... Putain, j'ai tendance à me planter moi. Mais. Il me victimise là. D'accord. Attends, il y a sûrement un truc à faire, mais là je l'ai pas. Hein. Il y a des dalles, je vois des dalles un peu bizarres. Peut-être au bout d'un moment, ça va s'ouvrir ça et on va pouvoir se barrer, c'est ça? En fait, c'est un très long combat de boss, quoi, ce niveau. Ah d'accord, super. Là, j'étais censé faire quoi? Il me balance une grenade pile dessus. Oh putain. Casse-toi. Ah, il faut le bastonner, ouais, d'accord. Donc c'est un... C'est bien ce que je dis. En fait, ce niveau-là, c'est juste un long combat avec un boss, quoi. Qui sert pas à grand-chose, puisque sa vie se remet à zéro lors du combat final. Alors on peut lui... Non, je vais utiliser... Putain, j'espère que je vais... Oh putain. Voilà, donc là normalement, voilà, c'est ça. Ok, quand il en a marre de s'en prendre plein la gueule, il se barre, mais... Ok, donc le principe c'est de ramener ça là-bas. On peut que pousser, on peut pas tirer, c'est ça? Est-ce que c'est ça l'astuce? Hop. Encore. Bon, heureusement il me fout la paix pendant que je fais ça, parce que là ça me fait vraiment criser, je pense. On va essayer d'aller jusqu'au bout
de ce passage avec Krauser, mais je suis pas super optimiste pour tout dire. Hein. Alors, on va manger un peu de vie. D'abord, on va combiner ça avec ça. Voilà. Bon, des herbes, j'en ai plein. C'est les munitions qui m'inquiètent un peu plus, là. Alors, j'ai des munitions de flingue, j'en voulais, j'en ai. Même si avec lui, c'est pas forcément le plus efficace. Ok. Bon, l'avantage, je pense que si je perds là, je repartirai depuis ici. Je crois. On passera tous retaper depuis le début. Oh putain. Ah ah, c'est moi. Le gros con, j'étais caché. Putain. Ah et ça aussi, c'est bien chiant ça. Alors attends, on peut les voir de là, l'espèce de petit robot à la con là qu'il a. Je me rappelle pas le chemin. Dégage. Quand ça fait bidi bidi bidip. Oh là, quand ça fait bidip, on bouge. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir lui? Voilà. C'est bon. Ça c'est quoi ça? Putain, il était caché dans le sol ou quoi? Ouais, je reprends de la vie là. Comme ça j'ai presque ma vie au maxi. Oh bien. Alors, si en plus je loupe mes tirs, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Quoi? Attends, ça va un peu vite là. C'est lui qui m'a tiré dessus, je pense. Alors là, il va y avoir bientôt le deuxième. Ok. Je regarde ce que vous mettez. Mets-toi sur les dalles quand il lance les grenades. C'était tout à l'heure, ça. Bon. Ça aurait fait quoi si j'avais fait ça? Parce que du coup... Ok, donc... Mais qu'est-ce que... Quoi? Pourquoi ça me rappelle quelque chose, ça? Voilà, c'est ça. Ok, je comprends. Donc là, j'ai le deuxième. Et le troisième, ça va être, ça va être le combat contre Krauser, en fait, sur la plateforme qu'on a vue là-bas. Si quelqu'un a des conseils... Ah ouais, d'accord, merci. C'était une connerie, je m'en doutais. Enfin, ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Si quelqu'un a des conseils pour ce combat, c'est maintenant qu'il faut me les donner. S'il vous plaît. Pendant que monsieur fait sa petite crise d'adolescence, là. Ah ouais, il a des crises d'acné particulières, quand même, hein. Ouais, bien sûr, j'étais en train de cloper, comme un con. Ah
Alors en plus c'est en temps limité parce que ce connard il a mis des bombes. Tout pour faire chier quoi en fait. Je sais pas si quelqu'un regarde ce stream, mais si quelqu'un regarde, c'est le moment de me dire ce que je dois faire, si vous avez des astuces. Alors, on va utiliser le magnum, parce qu'on l'aime bien, le magnum. Putain, je peux pas tout faire. Je peux pas recharger, esquiver, je peux pas tout faire en même temps. Non, mais voilà, c'est ça le truc. C'est que là... Alors, dans les papates, est-ce qu'on peut tirer dans les pattes? Putain. Ah oui, on peut. Ça, c'est bon. Merde, j'ai utilisé... Il est vide. Donc ça, c'est fini. C'était bien, mais c'est fini. Alors maintenant... Donc pareil. Tirant dans les pattes, peut-être. Merde, loupé. Ouais. Je recharge. Et il me reste 1 minute 44. C'est pas du tout stressant. Hein. Bouge. Faut que je prenne un peu de champ. Alors, hop. Faut que j'arrive à le... Putain. Si je pouvais lui balancer une grenade pile à ce moment-là, peut-être que... Ça ferait un peu d'effet. Non, je suis pas sûr que ça ait fait grand chose. Ça l'a touché, mais... Putain, le pompe, pourtant, il déboîte ce pompe. Hein. J'ai plus de munitions de pompe. Putain. On est mal. Oh non, c'est bon. Yes! Putain, je suis content. Ah oui, par contre, faut arrêter de niaiser là, parce que faut que je me casse. J'ai 50 secondes pour me barrer avant que tout explose. Alors. Vite, vite. D'accord, super. Alors là, déjà, première erreur, fallait pas passer par là. Fallait passer par là. Voilà. Alors, tac. Voilà. Tac. Voilà. Et tac. Voilà. Et là, ça ouvre ici. Donc tout va bien. Ça aurait pu ouvrir un truc de l'autre côté du niveau aussi. Ça aurait été rigolo. Bon. Bon, on va sauvegarder. Je vais sauvegarder là, tiens. Oh, pile quand je voulais arrêter. C'est pas beau. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, je pense que je vais arrêter le stream là. C'est bon, hein. Ça, on a bien rigolé, mais chaque chose doit avoir une fin, donc là je vais m'arrêter, et dans le week-end peut-être que je continuerai, c'est possible, je voudrais essayer de le torcher assez rapidement là, pour passer à autre chose. Voilà, bah, merci à ceux qui m'ont suivi, et puis bah, on se retrouvera pour un prochain stream, un de ces jours, bientôt, allez ciao.